mutable dans laquelle nous nous trouvons, une phase où les femmes jouent un rôle négatif, un rôle de perturbation, où elles faussent le jeu par différents comportements, par différentes façons de présenter les choses, et il y a tout intérêt à ce qu'elles laissent la place à des hommes. Donc le choix de Madame Lucie Casté pour première présidente est tout à fait malheureux. D'ailleurs, plus de 60% des Français, d'après les sondages, rejettent cette idée. Et on a pu constater, en effet, qu'en phase mutable, alors que Saturne entre dans un signe mutable, eh bien, les hommes reprennent le pouvoir sur les femmes parce que les femmes sont à côté de la plaque. Alors, il y a plusieurs exemples. Il y a l'exemple de Madame Casté, qui ne comprend pas que le Front républicain, on ne peut pas jouer la carte de la majorité relative pour un parti, puisque c'est un ensemble de partis qui se sont mis ensemble. En l'occurrence, le parti de Macron et le parti des LR, et en plus le parti de Nouveau Front Populaire. Donc ils n'ont pas le droit de proposer une solution uniquement pour le parti du Nouveau Front Populaire. Ce qu'a très bien compris d'ailleurs M. Glucksmann. Et puis, pour donner d'autres exemples dans d'autres domaines, notamment dans le domaine juridique, où il y a des juristes, femmes, qui ont proposé des lectures complètement abracadabrantes de certains articles, notamment du Code du commerce. Et là aussi, elles se mettent en tort, elles se mettent en faute, et ça ne va pas améliorer l'image qu'on se fait des femmes.